Eh bonjour YouTube! Comment vas-tu? Bien, la forme, tout ça? Nouvelle vidéo sur Graveyard Keeper, on va aller faire le donjon, mais d'abord, on va voir pour faire ce que me disait Yudo en début de stream, c'est-à-dire... alors la gelée rouge c'est plus 30, mais je sais pas faire du jus de baie. Ah oui, c'est juste que j'ai pas ici. On va faire du jus de baie. On va faire de la gelée rouge. Ouais. On va récupérer tout ça. Et puis voilà! Après on va aller explorer un peu le donjon, c'est parti! Alors! Ça, et ça, et ça, et j'ai plus de place. Je peux déposer quoi? Bah mon vin au pire, il sert plus à rien. Vu que c'est pas le bon vin, on prend les pommes. Ok. Sans Reznox. Alors, de la gelée rouge. Ah mais je peux en faire qu'une, d'accord. Bon bah on aura deux gelées alors. Et maintenant, on peut faire ça déjà une fois. Ouah! Ah, et on a un cadavre en plus. Attendez, on va aller s'occuper du cadavre avant. Je vais poser ça, je vais poser ça, je vais poser ça. Poser ça, ça doit être pour de la bouffe, je pense. Poser ça, ça et ça. Ok. J'ai récupéré la... Oui. Allons vite nous occuper du cadavre. Bonjour. 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 Alors, deux crânes rouges, formidable, et ça 6 crânes en tout. Parfait. Allez, pas d'erreur médicale, mais normalement pour récolter du sang et de la graisse. On taillade dans le vif. Ça devrait passer. On a réussi. 6 crânes rouges. 6 crânes blancs, pardon. Ok, on enterre, on installe ça, on va redormir avant de redescendre, on installe ça, ok, et qu'est-ce que je voulais éventuellement faire, bah oui, la bouffe, faire de la bouffe, ah, attendez, il y a une prière, bonjour, merci. Ah, et attendez, il me faut quoi pour un sermon, moi? Ah, il faut l'encre. J'ai pas d'encre pour le moment. Ouais, 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 c'est ça. Alors, attendez, je dépose ça. Je dépose ça. Ah, attendez, ça, c'est pas fait. Le sang, c'est fait. Ça, c'est pas fait. On peut analyser quelques petits trucs, vite fait. Tant qu'on y est. Donc on va analyser la graisse. La graisse. Ok, ça peut décomposer en fluide. De la recherche bleue. Ça c'est du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du vert. Tiens, va pour du vert. Pas de décomposition. Du vert encore. Tant qu'on y est. Non, non, l'encre, il faut que je débloque l'architecture, je pense. Le papier... Non, le reste, on s'en fout. C'est que du rouge. Que du rouge. Que du rouge. Alors, en fait, ici... Ah si, je l'ai débloqué. Donc, il me faut une étagère de parchemin, non? Je vais pouvoir la crafter, l'encre, quelque part. Production de papier, livre... Qu'est-ce qu'on peut débloquer de beau? Vous aimez la nature, et la nature vous le rend bien. Vous pourrez récolter plus de ressources sur le petit plantain. Sur les, de petites plantes, ok. La gueuse. Ok. Ici. Rien pour le moment. Rien pour le moment ici. Ok, pour le moment, gardons nos points. C'est peut-être ici, donc. Voilà, c'est ça. Ah, donc il me faut une fiole conique. Il me faut une fiole conique, donc il me faut
C'était où que j'avais vu la fiole conique? C'est dans le verre, c'est dans le craft. Ici. Fiole conique qui se craft dans le fourneau 2 ou le fourneau 3. Je n'ai pas le fourneau 2 encore. Est-ce qu'on a le fourneau 2? Enclume 2. Ah, fourneau 3. Là, fourneau 2. C'est ça. Déverrouillé. Ok. Allons-y comme ça. On va se reposer, finir la bouffe. Et ensuite, on va pour... le donjon, pour le moment. Il y a trop de choses à faire. On a plein de choses à faire. Alors, je dépose ça, je dépose ça. Et j'ai encore la foi sur moi. C'est pas grave, on va redescendre après. On va finir de crafter ça déjà. C'est ultra long. Jour des cornes, marchand, effectivement. Effectivement. Je peux pas pour le moment, Evouillard. J'ai pas le chanvre. Merci. Ah, ça en fait 3. Est-ce que j'ai sur moi l'herbe? Ok, oui. Hop. Quand je dis qu'on a trop de choses à faire, on a tout le temps des trucs qui se rajoutent dans les trucs à faire. Oui, lent, mais pas de stam, effectivement. C'est long et chiant à faire, mais ça consomme pas de stam, et ça, c'est tant mieux. Alors, voyons voir. Le marchand, bonjour. L'herbe est ok. Merci. Je vais en prendre tout de suite. Ok, on a une histoire. Et quel goût étrange. Je ne sens plus le goût. Attendez une seconde, je vais croquer un morceau de ce biscuit aux épices que j'ai dans la poche. Mais il n'y a aucun goût. Plus rien du tout. Que m'avez-vous donné? C'est ce que vous m'avez demandé, de l'herbe de hockey. Oui, je suis arrivé, c'est le mec chiant. Dans ma jeunesse, on m'a prédit que je finirais par perdre la chose qui compte le plus pour moi. Qui vous a dit ça? Une liseuse de me lève en sursaut. Je traversais le désert avec ma caravane, l'autre côté des montagnes du Nord. Nous nous sommes arrêtés dans un oasis et là, là se trouvait une vieille femme. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est réalisé. Et maintenant, ça. Je suis désolé pour vous. Désolé, une minute. Connaîtriez-vous une sorcière? Non. Et l'inquisiteur les a probablement toutes brûlées. Elle suit la veille Cloto. Elle est encore vivante et était déjà vieille quand je t'ai gagné. Mais si elle est en vie, ce doit être une véritable sorcière. Essayez de la trouver au cœur des marais à l'ouest. Dites-lui que le marchand et le prêtre qui lui a acheté les potions d'amour ont besoin de son aide. Je suis sûr qu'elle se souviendra de nous. Le prêtre? Mon frère était prêtre, mais je n'ai pas envie d'en parler. Bon, et là je compte sur vous, mon avis, apportez-moi une remède contre cette malédiction. Je verrai ce que je peux faire. Ok. Est-ce que tu vends des trucs intéressants? Fragments de bijoux, non. Des graines de vigne, beaucoup trop cher. Oh, mais attendez, je peux peut-être débloquer le rang 3. Pas l'impression qu'ils vendent de trucs bien utiles pour le moment. Ok. Bon, Connor. Je fais ce qui vient, Infoque. Je fais ce qui vient. Donc à peu près tout. Se reposer, prendre de la bouffe, et cette fois on va faire le donjon. Enfin! Enfin! Se reposer. Alors, on prend donc ça en garde. On va prendre de la viande rôtie. On va poser ça et prendre du pain. Ok, je vais déposer juste un peu tout ce merdier que j'ai sur moi. C'est-à-dire ça, 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 ça. Ok, on a un peu de slot. Ça devrait suffire pour les premiers étages. En avant! Potion de vie, pff, pas besoin. Pas besoin. Non, la bouffe, ça va suffire pour le moment. Au pire, bah, on meurt. Ça change pas grand chose.
Ah oui, il y a une zone de... Il y a une qualité de la zone de sacrifice. Ça doit être avec les crânes qu'on peut mettre sur les piliers, je pense. On verra ça plus tard. Alors, nous étions donc partis par là. J'ai pas l'impression que les ennemis aient repop. T'es mort. Est-ce qu'il y a des trucs à looter par ici? Non, c'est que de la déco. Oh, et ça va, avec l'armure, on prend vraiment pas beaucoup, hein. Putain. Spam comme un gros con. Ah, t'es bloqué, toi. Reviens. Putain de... Saloperie de... Merci. Ok, on peut déjà bouffer un truc ou deux. On va plutôt bouffer la viande rôtie pour le moment. Encore une. Il y a une note là, non? Non, c'est rien. Salut! Salut! Reviens! Y a rien à voir par ici, rien à looter, rien à ramasser, y a ça cassé, cassons-le! Ah! Oh! J'ai mis ce clic et du coup. Oh, c'est cool ça! Bon à savoir, mais y a rien qui l'indique par contre. Ça, on peut casser. Direct, non. Ceux-là, on peut les casser. Ah oui! Ah oui, oui, oui! Merde, j'ai trop de merdier sur moi. On va manger notre pain. Ok, ça. C'est quoi qui traîne au sol? C'est juste des graines. Qu'est-ce qu'on laisse? On peut laisser un clou au sol, Osef. Enfin, laisser au sol. Détruire quoi. Graines de chou, ok. Ah, peut-être que les caisses, on peut les casser aussi du coup, oui. Non. Ok, les vases, ça coûte pas trop cher, c'est rien, on s'en fout, on laisse. Ah, et on a déjà le deuxième étage. Ok. Oh, attendez, je connais pas ça. Merde. Qu'est-ce que je laisse derrière? Rien. Je vais descendre au deuxième. Et ressortir direct. Ça non plus, je connais pas. Need to skill. Oh, ah, faut tuer tous les ennemis d'abord. Ok, c'est pas traduit ça d'ailleurs. Ah, j'ai des DOS. Oui, effectivement, je peux dropper les DOS. En soi, les graines de chou. Osef, on peut en acheter. Je vais voir ce que j'ai laissé derrière là. Non, pas les verres, je veux pas les gobelets, je veux pas les gobelets. Voilà, merci. Donc on a graines de lentilles et graines d'oignon. Ok, qu'on ne peut pas acheter pour le moment, donc on va garder. Prends... Ah oui, c'est vrai que je peux consommer la potion de soin. Pour prendre la dernière graine qui me manque. Celle-là, graine de citron. De citrouille. Ah, puis on en a besoin d'ailleurs, ça. Elle en est déjà venue. Ça, on s'en fout. Oui, je les ai en double de qualité différente, mais il faut 3 ou 4 graines pour pouvoir faire une plantation, donc il faut que je les garde. Et donc nous ne sommes pas venus ici. Hello, Slimmy. Arrête! Ces trucs là, c'est des morceaux d'acier à faire fondre pour récupérer des lingots de fer.
Allez, on est au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Encore des graines de citrouille. Non, pas de citrouille, de... je sais plus, de choux. Ça, ça casse? Non. Ok, ben on va descendre d'un étage et remonter direct, comme ça on aura débloqué le deuxième étage. Je sais pas du tout si je peux mettre des trucs là. On peut mettre des trucs là. Ah, d'accord. Et en pressant dessus, ça les utilise. Cool, mais ça libère pas de slot de l'inventaire. Oh, une potion de soin. On va la laisser là pour le moment, je vais aller dormir de toute façon. Au pire, bah, elle dépop, hein. Yay! Merci d'avoir acheté WoW Battle Chest via mon lien Instant Gaming. Merci beaucoup. Yodo, t'avais vu que tu pouvais mettre des objets dans les raccourcis en bas? Ouais, mais je mets les sous-dos en général. Ok, bah j'ai mis de la bouffe là en fait, moi. Ok, et effectivement on remonte direct et je pense que je vais pouvoir directement remonter. Retourner au deuxième. T'as vu que moi aussi j'en mettais contrôle. Ouais, bon c'est ça. Je passe en QWERTY, ça passe nickel. Attendez, j'ai la foi à poser ici. Alors, je dépose ça. C'est tout. Bon, les combats, je pensais que c'était nécessaire dans le jeu d'en avoir. Mais il y en a. Des petits combats très très sommaires, hein, très basiques. En tout cas pour le moment, ça changera peut-être après. Je vais déposer... pardon. Déposer ça et ça. Ça aussi je peux poser. Ça, j'ai plus de place. Je peux récupérer mes carottes, je peux récupérer ça, ça viendra pas ici. Je dépose ça. Ok. Oui, l'histoire, j'aurais pu poser l'histoire. Ça, je dépose. Ça, je dépose aussi. Je vais poser ça, 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 ça et ça. On va vite fait récolter mes carottes. Merde, mauvais bouton. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de replanter, vu la quantité qu'on va en avoir. On va pas vraiment en avoir besoin pour le moment des carottes, hein. Ok. En plus ça pousse vite, donc on va attendre avant de les replanter. Ouais. On a 230 carottes. Ça va. Et on a récupéré 40 graines. Ça va. Ok. Bon. Qu'est-ce que nous avons à faire? Oui, jour des... jour de la femme. Non, jour de l'homme. Jour de l'homme. Oui, allez voir l'inquisiteur. On va aller checker l'inquisiteur et dire bonjour. On va se reposer rapidos. Un tout petit chouille. Et on va aller dire bonjour. Vers le vilain monsieur. Voilà, ça suffira. Oui, je pense bien à Toro. Hein. Là, pour le moment, je les bourrine. Parce qu'ils sont pas vraiment punitifs, on va dire. Hello! Ah, gardien! J'apprécie l'air d'ici. Il y a quelque chose de vertueux. Il est plaisant de savoir que nous brûlerons bientôt une autre sorcière ici. Elle est encore en salle de torture pour le moment.
Mais l'absolution le vaut bien. Cette fois, l'incinération sera parfaite. Nous nous devons de prouver qu'aucune sorcière ne saurait échapper à notre droiture. Nous avons des préparatifs à terminer. Vous pouvez apporter votre aide à la Sainte Inquisition. Il va nous falloir du bois de chauffe, assez pour un bon petit feu, ainsi qu'autant de prospectus que vous pourrez obtenir. Ok. Je vous attendrai ici. La sorcière n'ira nulle part. Lorsque tout sera prêt, nous la ferons brûler. Ok, 20 bois chauves, 10 prospectus. Interrogé à propos du cimetière. Oui, il y a une malédiction. Il y a bien des années de cela. Pourtant, le mal rôde encore à proximité. Je dois donc m'assurer que vous êtes de notre côté dans ce combat, avant de vous accorder la permission d'utiliser à nouveau cette partie du cimetière. Ok, et du coup, obtenir une permission de déverrouiller la partie ouest du cimetière, vous pouvez me donner... Vous pouvez me faire confiance, il faut que je passe à 20, donc il faut que je fasse la quête précédente. Ok, on a une... Hé, arrêtez de fureter dans les parages, on vous aura prévenu. Je ne fais que me promener, il n'y a rien à voir par ici. Mais alors que faites-vous là? C'est une embuscade. Je ne suis pas un expert, mais cela ne ressemble pas vraiment à une embuscade à mes yeux. L'inquisiteur a fait un mauvais rêve à propos de ce portail et des fanatiques. Du coup, nous attendons les fanatiques ici. Quel genre de fanatiques? Des gens du genre maléfique. Ils sont de mèche avec les sorcières. Ça ne fait pas un pli. File-moi un coup de main, Tom. Ce sont des pourritures de fanatiques des sorcières. Ils cherchent à tuer notre roi bien-aimé. S'ils parviennent, s'ils y parviennent, ils mettront un terme à la grande inquisition. Ouais, et on travaille, et on perdra notre travail. Mais dites-moi, ne seriez-vous pas un fanatique? Non, je suis le gardien des cimetières et j'allais m'en aller. Je ne pourrai pas examiner le piédestal tant qu'ils seront là. Fuck. Ok. Occupons-nous du cadavre. Qui est arrivé? Donc les prospectus, on peut les faire. On va aller voir ce qu'il nous faut. Et le bois de chauffe, c'est pas un problème. Donc on a une semaine pour faire 20 bois de chauffe et... les prospectus, 10 prospectus. Plot twist, l'inquisiteur sortira la sorcière. Ou alors, plot twist, on va faire tout le jeu et à la fin, en fait, on va finir sur le bûcher. Parce qu'on se sera fait gauler à allumer le portail aussi, peut-être. Hello ! Un client ! Alors, 3 crânes rouges. Donc on commence par enlever les intestins, tiens. Oui, les intestins. Si on a du bol ou pas du bol, on va voir. Oui, ça passe. On enlève le sang et c'est bon. Ah non, vous m'avez dit, ça rajoute un cœur à un crâne rouge. Donc si maintenant j'enlève la graisse, on devrait passer à 5 crânes... Ça rajoute un crâne blanc. On devrait passer à 5 crânes blancs si c'est bien le cas. Oui, 5 crânes blancs, mais formidable, formidable. Allez hop. J'ai jamais joué à Magica, non. Wizard Mando. Jamais. Hop. Un nouveau résident. 64 le cimetière et 66 le cimetière, yay. Ensuite, voyons voir ce qu'il nous faut pour les prospectus. Je pense qu'il va nous falloir de l'encre hein, dans tous les cas. Un prospectus, il nous faut de l'encre, ouais. Donc stylo et encre. Pour l'encre, il nous faut des fioles coniques. Ah non, stylo et encre. Ah, il nous faut des plumes. Hein? Où est-ce qu'on chope des plumes? On a rien vu sur les oiseaux pour le moment. Enfin, on n'a pas vu d'oiseaux, aucun rapport avec les oiseaux. Je ne sais pas. Alors, l'acide, outil de restauration, une bouteille de vin, licence commerciale pour démarrer son activité. Un remède pour... Ah, on peut aller voir la sorcière.
le collier de serpent. Il faudrait qu'on discute avec Serpent de nuit. Il doit être là, je pense. Ah oui, avec les œufs. Oui, il y a les poulettes. Effectivement, il y a les poulettes comme oiseau. Qu'est-ce qu'il y a, Ido? Il y a une mise à jour. Ah, il y a une mise à jour du jeu? D'accord, ok. Bon, on va peut-être mettre à jour le jeu alors, on va regarder. Ouais, ça doit être du fixe, hein. Non, mais pas que, en fait, t'as des améliorations. Ok. Si t'as fait gaffe. La fast traveling, you can buy the tele. Ok, je finis pas, je me spoil en regardant mes. Ok. Bah, du coup, de toute façon, on est fatigué, on va dormir et je vais rebooter le jeu pour faire la mise à jour. Oui. YouTube, ça fait combien de temps qu'on est là? Bon, au pire, YouTube aura un épisode un peu plus court. C'est pas un problème. YouTube! Petit post blanc, si tu as passé un bon moment en notre compagnie, dis au revoir le chat. Chat, dis au revoir. On se repose, on sauve et on va rebooter le jeu pour faire la petite mise à jour qu'il y a. Sans regarder le changelog, parce qu'apparemment ça peut spoiler. Très léger, mais un peu quand même. Ok. Au revoir YouTube!